transformer deux grands métiers avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, que sont le traitement de la maintenance en usine, en fournissant des intelligences artificielles qui permettent aux mainteneurs de mieux diagnostiquer les causes des pannes et y remédier plus vite. Et on a beaucoup travaillé aussi avec la fonction achat, qui aujourd'hui pilote la qualité fournisseur, pour leur fournir des insights pour mettre en surbrillance les fournisseurs dont le niveau de qualité commence à dériver, pour qu'ils interviennent au plus tôt afin de remédier au problème. Donc là, on est sur deux processus extrêmement opérationnels qui concernent un grand nombre de personnes, plus d'une centaine à chaque fois, dans lesquels on a fourni des éléments d'aide à la décision pour qu'au moment où les choses se passent, ils réagissent du mieux possible. Donc ça, ce sont des processus qu'on transforme avec du coup du gain d'efficience, c'est-à-dire on réagit plus vite, mieux, et avec de la productivité, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, on perd moins de temps à traiter, exploiter l'information. Donc tout ce temps-là gagné, qui est du temps à non-valeur ajoutée, on le reconvertit dans du temps à valeur ajoutée sur la remédiation.